J'ai effectivement un petit bout de Beyrouth chez moi. A little piece of Lebanon that I always carry around. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que je mange au petit déjeuner. Something I bring with me from Beyrouth to New York. La seule chose qui est bien pour votre santé, c'est le za'atar. Za'atar. Ma collection de za'atar. La cruche. Kibbeh. Lebanese style. Lire chaque matin les nouvelles en buvant son café libanais. Le café. Biscuit randouj. Biscuit randouj. La voix de Fayrouz. Tarbouche. La tarbouche. Tarbouche papi. Seme. Sema. Brace it. Never leaves my side. Joli cèdre du Liban sur ma terrasse. Zourat. Morna. And Mornat. Always watching over me in New York. My sabab harat that I can't live without. C'est un arbre spécial. C'est des cèdres du Liban. Lana paraban. Luminaire, fait par des artisans libanais. Okay. All the medicine, courtesy of my mom. Olives, made by my grandma. My zahir. A picture of my grandma. And my husband. My sister Tina. Et Paul. Et Khalil Gibran. Khalil Gibran. Trop bon.